On attend. Oui, oui. Ah! On est live! All right. Bien, on est live. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à un autre épisode du Café Show. Aujourd'hui, épisode très spécial en compagnie de... Maud! Clémence, oui, le designer. Donc, je suis très bien accompagné. Et on fait un épisode spécial qui va s'appeler les désastres culinaires. Oui. N'est-ce pas? Non, non, ça va être une réussite. OK. Oui, oui. Parce qu'il y a un malaxeur quelque part, fait que j'ai comme... ça va être une réussite. Oui, oui. Fait que bref, aujourd'hui, on est très excités parce que on voulait vous présenter, ce que vous savez probablement déjà, la belle collection de notre nouvelle édition des vacances, le Café Estival. Ouais. Et avec un super design. Donc, c'est pour ça que vous avez compris qu'on a décidé d'inviter notre designer, Clément. Oui, c'est moi. Bonjour. Fait que tu vas nous parler aujourd'hui, entre autres, de la DA, la direction artistique. Mais on s'est dit, tant qu'à faire, pourquoi pas, on va faire une recette. Ben, on va faire deux même, parce que tu sais qu'on est en vacances. Ben là, aujourd'hui, il fait pas tant beau. Mais d'habitude, il fait soleil. Mais on va vous rajouter du soleil dans votre journée. Okay? Oui, d'habitude. D'habitude, il fait soleil. Ben, souvent. Puis, ben, tu sais, des petites recettes rafraîchissantes pour l'été quand il fait chaud. C'est le choix. Oui, ben oui. Non, non, ben là, puis... Avec les vacances. Des petites recettes de vacances. Là, ce que j'ai compris, c'est que ça va être sucré. Il va y avoir de la crème glacée. Ça va peut-être être salissant. Ben ça, c'est sûr que c'est salissant, mais ouais. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'on avait une plaque à biscuits et de la crème glacée. Fait oui. On part le four. Puis... On préchauffe le four 350. Ben non, Alex, franchement. Non, non, c'est non, bon. Non, c'est pour les aller à la non, 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 voilà. Donc, je vous explique brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est à chaque année, à vrai dire, c'est notre deuxième édition. Chaque année, on lance les vacances. Le concept en arrière des vacances, c'est on demande à notre designer de faire plusieurs infographies. Quand on va joindre les infographies ensemble, ça fait une image. Donc, comme vous avez pu voir, la thématique cette année, c'est vraiment les vacances et c'est voyager local. Exactement. N'est-ce pas? Oui. C'est un café, bien entendu, qui est revisité un petit peu à chaque année, donc le fait de goût qu'on va optimiser. Ouais. Donc ça, c'est la job à Jocelyn, notre maître réfacteur. Exactement. Qui s'amuse avec le produit. Et c'est un profil de goût chocolat au lait, un peu caramel. Ouais, puis c'est mi-noir encore. C'est pas un café super intense. C'est quand même comme... Passe-partout. Ouais, c'est vraiment... Puis encore plus, passe-partout, il va dans tous les types de systèmes d'infusion. Donc, ouais. Vous pouvez en profiter en espresso, si vous avez une cafetière à piston à la maison. Absolument. Vous pouvez juste le prendre en crème et le moudre à la grosseur que vous avez besoin. Exactement. Dans le fond pour le boire comme vous voulez. Vraiment, il est super comme versatile, le café-là. Donc, c'est le café idéal pour partir en voyage. Mais oui, parce que tu pars en camping, tu as fait ta petite mocha. C'est ergonomique, c'est parfait. Facile. Donc, comme à tous les épisodes, oui. Okay, comme à tous les épisodes, petit tirage. Donc, vous avez tout l'épisode pour écrire un commentaire. Puis là, à la fin, Étienne qui est avec nous, là, qui va faire la gestion en ce moment de communauté, il va tirer trois personnes qui vont gagner un sac de café des vacances. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Si vous avez des questions pendant l'épisode, écrivez vos questions en commentaire, puis Étienne va nous poser les questions qu'on va y répondre. OK? Fait que ça, c'est pour l'intro et le petit concours. Maintenant, notre vedette aujourd'hui. On rentre dans le vif du sujet, Alex. C'est Clémence. Bonjour. Bonjour, Clémence. Donc, là, vous connaissez tous Clémence parce qu'on a déjà fait un live pour faire un petit peu ce genre d'exercice. Oui, mais sur le groupe VIP, peut-être pas tout le monde qui la connaît, c'est vrai. Vraiment une belle personnalité. C'est notre designer, on est très choyé de l'avoir, puis en plus, c'est une illustratrice. Elle est très très bonne en dessin, fait qu'on est très choyé d'avoir, en plus d'être un excellent designer, d'avoir une illustratrice, fait que à chaque fois qu'on dit on va faire un projet, ben là, je peux se dessiner. Oui, c'est ça. Fait que parle-nous un petit peu de l'idée en arrière de la direction artistique de ce que tu as fait. Ben, en fait, c'est que l'année passée, j'ai eu la chance, ben, c'est un de mes premiers projets, en fait, de designer le café des vacances, le café estival. Et puis, on avait fait une série d'illustrations, donc c'était comme une grosse illustration, mais divisée en trois, donc en mode camping, plus plage, plus sport en nature. Donc, on a quand même aimé justement ce concept-là d'avoir des illustrations séparées. Puis, on s'est dit, OK, on va vraiment y aller le plus local, le plus nature possible. Le prix du gaz, ben c'est cher. Fait que les gens, ils n'ont pas le choix de rester au Québec. Fait qu'on était comme, OK, on va pas leur mettre Wildwood, puis sur l'emballage. Donc, il y avait une espèce de désir aussi. Le cap-là, le prix du
se gâche. Oui, il fallait que je sois mais gagne, on est en vacances, après ça, on va manger. Ça oui, voilà, exactement. Je mets pas de char, mais puis dans le fond, c'est ça, le concept cette année, c'est d'avoir deux illustrations, mais qui sont séparées chacune en deux. Donc, on voit les gens qui se... Oui, voilà, tu peux montrer la caméra, là. Oui, voilà. Moi, j'ai vu beaucoup. Clément, ça l'a vu une couple de fois. Je l'ai souvent vu. Donc, puis c'est ça, par exemple, dans celui-ci, ben on voit le parc de Quaticook avec le pointe de Quaticook. Je connais vraiment mes endroits. J'ai pas de char, fait que je sais pas c'est où. Oui. Puis de l'autre bord, on a les îles de la Madeleine. Donc, tu sais, c'est vraiment en mode découvrir le territoire, sortir dehors, bouger, être actif à l'extérieur. Puis l'autre ici, on a le parc du Mont-Royal, donc le lac aux castors, et Percé en Gaspésie, donc avec le rocher Percé. Donc, ben c'est ça, c'était vraiment une idée de parler de tout ce qui est local, des vacances au Québec. Se retrouver aussi après full d'isolement, de pouvoir comme aller partout. Donc, tu sais, les gens qui font des patates. Voilà. Ben, c'est ça, parce que les personnages, ils font des coucous. Ouais. C'est vraiment cute. Ouais, c'est vraiment intelligent. Parce qu'on va se faire poser la question, là. Quand vous commandez, on ne sait jamais. C'est une surprise, parce que, ben là, évidemment, comme. On essaie là, de faire en sorte que qu'il y ait une rotation dans les sacs et que vous ayez un visuel différent, mais ça se peut que ce soit le même. Mais il y a quand même 4 visuels. Fait que c'est une surprise à chaque fois qu'on ne sait pas si on va vous faire voyager aux États-Unis ou à Montréal. Ou à Gaspé ou à Montréal ou à Quaticook. Moi là, sérieux, mais moi je suis un grand fan d'illustration. Ouais. Et je comprends l'effort, OK? Parce que c'est plus facile que juste faire un dessin. Là. Mm-hmm. Fait que je veux juste que tu m'expliques, on part de où quand on décide, OK, là, je vais illustrer quelque chose pour après ça arriver à l'appliquer, mettons, sur un produit. Épeleur. Oui, ben c'est non, ça. Ben souvent je vais commencer par faire un tableau d'inspiration, donc aller voir comme des illustrations ou des paysages que j'aime beaucoup, des palettes de couleurs. Des fois ça peut être juste comme des vieilles photos, comme mettons la presqu'île, je suis allée voir des images de 1940-1930 de ski en Europe, c'est vraiment de là. Donc ben ça a diverses sources d'inspiration. Après ça, je vais faire des croquis papier parce que je trouve que ça va vraiment mieux qu'à l'ordinateur. Bon, on passe son temps à effacer et tout, alors que sur papier, c'est plus spontané, disons. Puis les croquis papier, c'est tout le temps impressionnant parce que souvent, Clément, ça arrive. Ça a l'air de vraiment pas grand chose. Puis là, à la fin, elle nous montre ça, puis on est comme. Ça, c'est la même chose, mais c'est dans sa tête. Oui, beaucoup de choses dans ma tête. Ça se matérialise comme ça. Puis, c'est ça. Puis là, celui-ci, je l'ai fait avec la tablette graphique de mon collègue Martin, qui est graphiste aussi avec nous. Puis, c'est ça, vraiment une palette de couleurs minimale, mais avec des belles couleurs très couchées de soleil, vacances, très nature. Donc, moi, j'ai une question technique, parce que tu aimes sketcher en papier, mais beaucoup d'artistes vont sketcher avec la tablette. Est-ce que j'aime un plus que l'autre? Est-ce que c'est complémentaire? Ça dépend vraiment, mais c'est sûr qu'avec la tablette, on a une certaine liberté, on a beaucoup de textures différentes, on a plein de choses. Mais j'avoue que la plupart de mes illustrations, je les fais à la souris. Je pense que j'aime ça, mais avec un crayon, justement, sur une tablette, ça va vraiment mieux parce que c'est naturel de dessiner avec un crayon plus qu'une souris. Puis, tu sais, mettons. Avez-vous déjà essayé de dessiner sur papier? Moi, c'est ça. Juste compliqué. Ouais, non, mais c'est ça. By the way, parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, Maud, là, c'est aussi une artiste, OK? Oui. Maud a fait de la peinture, OK? Moi, je ne le savais pas. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Non, mais... Tu fais quand même de la peinture. Ça pourrait être toi qui fais notre prochaine étiquette des vacances. Bon. Alors? Là, je vais vous lancer un défi. Dites-nous ce que vous voulez que Maud a peint. Oh, Maud! Hey, ça, je n'étais pas au courant, la gang. C'est un beau défi. Lancez un défi à Maud. Elle va faire une belle toile dans les prochaines semaines. OK? Puis on va faire tirer la toile. Oh, ça serait drôle. OK, parfait. Bonne idée. Moi, je veux juste dire, je suis vraiment bonne genre en arbre, là, fait que si vous pouvez comme rester dans les trucs un petit peu nature, ça devrait aller, sapin, là. Sapin, c'est faites-moi bon. Pas peindre un tic, là, c'est peindre pas un tic. Fait que, dites-nous ce que vous aimeriez dans le registre des arbres et arbustes, puis moi, on va faire une toile, puis on va faire tirer la toile avec un kilo de café les vacances. On va vous donner des goodies avec ça parce que la toile, là, ça vaut pas tant la peine, mettons. Okay. Ça vaut pas tant la peine. Maman, tu peux participer à ce concours. Oui, c'est de l'art, donc, OK, il y en a pour tous les goûts. Fait que sur une autre note,
j'aimerais qu'on rentre aussi dans l'autre partie du sujet, qui est la partie où on va manger. Oui. Fait que là, on avait la partie, puis honnêtement, c'est vraiment cool, là, je pense, là, c'est vraiment top. Puis on est très, très fiers de ça, de ce travail-là. Puis c'est une des choses qu'on aime beaucoup faire quand on revisite des classiques. Des classiques, c'est toutes nos saisonniers. Oui, des éditions limitées qui sont vraiment sur une saison. Là, comme là, je dis ça, je dis rien, là, mais tu sais, là, on va passer des vacances et tout. Ouais. Après ça, c'est l'automne. Oui. Et le retour du mélange d'automne. C'est ça. Puis la manière, ça va être Noël. Oui, c'est ça. Puis on comprend que Maud, elle aime beaucoup Noël. Mais Noël, on aime. Maintenant que Maud est dans l'équipe, tout le monde aime beaucoup Noël. On aime Noël. C'est vraiment cool. On aime Noël. On puis c'est une campagne vraiment extraordinaire. Puis en plus, c'est le carnet des fêtes. Exact. Donc, mais là, on va revenir à. On vient aux vacances. On peut-tu revenir à l'été? On peut-tu passer les vacances? C'est ça. Bientôt Noël des campeurs. Oui, bientôt Noël des campeurs aussi. Fait que petite recette pour vos Noël des campeurs en famille et entre amis? Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai vu qu'il y avait du chocolat. Vu qu'il y avait de la crème glacée, des biscuits, fait que. Mais là, c'est ça. On jase. Là. On a comme brainstormé sur des idées bien fun et rafraîchissantes pour cet été. Là, Clem, on va faire à Alex des sandwichs à la crème glacée. Ah, ça, ça va être correct. Ça, c'est sandwich à la crème glacée, vanille et espresso. Donc, on part vraiment avec l'espresso, les vacances. Mais si vous n'avez pas les vacances, ben, commandez-le parce qu'il est vraiment très bon. Oui. Mais sinon, c'est crémone, authentico, peu importe là, nos autres espresso, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Clem, tu veux-tu commencer? Oui, absolument. Hein? Okay, mais c'est moi, par exemple, qui fais à manger. Je vais juste expliquer. Tu vas brasser les choses. Donc, ben, on a déjà mis dans un contenant 4 tasses de crème glacée. Donc, 1 litre, c'est environ un contenant complet là, de crème glacée, qui d'ailleurs n'est pas obligé d'être à la vanille. Je veux dire, ça aurait pu être au chocolat, à la noisette, pâte à biscuits. Napolitaine, c'est kitsch, mais moi j'adore la Napolitaine. Si on s'en va avec, mettons, une crème glacée ou barbe à papa, ça va peut-être être un peu spécial le mélange entre les deux, mais tu sais, mettons, noisette, vanille, chocolat, c'est comme tous les classiques là. Qui vont bien avec le café. Exact. Puis donc, c'est ça, on a notre crème glacée qu'on a sortie il y a peut-être 15 minutes, là, juste pour qu'elle ait le temps de tempérer un peu, pour que ce soit facile de la mélanger. Puis, on a sorti deux sortes de biscuits, mais tu sais, ça peut être des biscuits maison, ça peut être des gros biscuits au chocolat, des brownies coupés en fines tranches. Vos biscuits préférés. Vraiment les biscuits préférés. Que vous avez. Mais nous, on a les pizzelles, c'est des petits biscuits italiens à la vanille, mais j'ai aussi pris des biscuits grands que j'ai coupés en deux. Je trouve que les biscuits grands, ça fait un peu camping, là. Moi, ça me rappelle vraiment les s'mores. Exact. C'est délicieux, ça goûte un peu le miel, puis je trouve que le format, c'est parfait pour ça un petit dessert. Ça tient bien aussi, là, tu sais, ça se casse pas tout, là, quand on vient pour les manger. Juste comme ça, elle a dit, vous pouvez trancher les biscuits. Oui. C'est ça que tu as dit. Non, non, mais couper les biscuits. C'est très long. Ouais, à moins que vous vouliez des grandes sandwichs à la crème glacée. Ça va être un bon projet. Mais un petit format, là, tout en fun, comme ça, on en mange. Oui. Les grandes sandwichs. Fait que qu'est-ce qu'on y peut faire? Les filles, juste comme ça, si vous entendez du bruit, c'est normal. Oui, on est dans le café, hein, au 111 Louvain Ouest. Fait que quand on fait le Facebook Live, venez nous voir. On est là, juste en arrière de. Justement, il y a une vitre. On est à l'Institut national du barista. Puis venez nous voir, on dit un petit salut. Fait que c'est pour ça qu'il y a du bruit, c'est très normal. Oui. Donc, voilà. Mais normalement, Alex, je te demanderais de mettre l'espresso. Donc, on a fait un espresso double court, mais faites-le un petit peu refroidir là, avant de le mettre dans votre crème glacée. Ça va juste éviter que tout fonde en même temps. Voilà. Tu vois, en passant, Alex, tu t'es préparé un chandail de rechange au cas, hein? C'est ça que tu nous as dit? Oui, c'est ça. J'ai un autre chandail. Parfait. Puis là, ben là, le fil n'est pas assez grand, fait que je pense que tu vas devoir t'approcher pour commencer à le malaxer. Puis... Là, ça, là, la dernière fois que j'ai fait ça, Ça s'est bien passé, hein? C'est ça? Je pense que, Ben, bonne chance, Alex, sinon on finira à cuillère. Exactement. Si vous avez un batteur électrique à la maison... Comment? Ça va bien, Alex. Je pense que, ouais. OK, j'allais. Il faut juste ramollir un peu, OK? C'est pas un batteur électrique. Faut pas ramollir ça avec notre crème glacée. Faut juste très bon faire du barbecue. Chacun ses forces, hein? Exactement. Alors, Alex, c'est très bon pour faire le barbecue et la pizza, mais là, on y peut faire la crème glacée molle, puis là, ça a l'air d'être comme... Sérieux? C'est n'importe quoi, là, ça, là. Ça... Je vous dis, c'est vraiment pas si dur. On fait juste malaxer, là, un genre de 30 secondes, juste pour que ça soit juste ramolli un peu. Belle activité à faire avec vos enfants. Comme ça, mes enfants peuvent...
Là, c'est la crème glacée? Mais là, il faut pas que ça devienne la sauce. Ouais, fait qu'on va t'arrêter, monsieur. Okay. D'accord, parfait. Ah, ça, c'est une belle texture. C'est parfait. C'est une belle texture, ça. Mmh. Merci beaucoup. Hey, ça a très hein? bien été, vraiment. Non, mais salut. Fait que j'ai juste la remélanger un peu pour que... Ouais. Ouais. Et passer un peu le tout, là. Ouais, ouais, mais c'est même pas... Non, mais ça, à la maison... On peut le faire même à la main, mais un petit peu à terre avec les enfants. Ben, c'est pas parce que vu qu'il y a du café dedans, tes enfants la mangent pas, fait que c'est juste toi. Ouais, non, ça, c'était bon. Mais vous pouvez leur en faire une batch sans. Oui, ça, c'est bon, ouais. Ouais, pas de... ça se fait très bien sans le café. Ça. Ouais, moi, je pense aux parents qui veulent pas endurer les enfants caféinés. Ouais, donc, ben, maintenant que la crème glacée a comme une bonne texture de, ben, de crème molle, là, mettons. Crème molle, mais pas une soupe. Hein. On est parce qu'on veut faire la... un petit peu dur à figer dessus. Ouais. Oui. Puis là, c'est sûr qu'il faut quand même se dépêcher. Surtout, bon, il fait chaud, là, on est à la clim, mais comme quand il fait chaud à la maison, il faut quand même se dépêcher. Donc, dans le fond, je mets une quantité vraiment plus au centre de, du biscuit. Ouais, mm-hmm. Ouais, ouais. Et moi, là, je mangerai ça direct demain. Ouais, moi, c'est ce que puis après ça, Alex, tu peux juste étendre un peu pour que la crème glacée va sur les côtés. Idéalement, ne pas briser le biscuit. Oui, là, d'habitude, bon. Ça va au congélateur avant de manger. Parce que, tu sais, une sandwich à la crème glacée, donc mais c'est bon, hein? C'est magique. Ouais, c'est magique. Juste que la texture va être plus agréable. La texture va être vraiment fun parce que la crème glacée va avoir un peu figé, là. Tu sais, juste... Mm. Mais c'est sûr, c'est délicieux comme ça. Oui, là. Oui, absolument. OK. Puis le biscuit, il ramollit juste un brin au congélateur, fait que ça fait juste en sorte que c'est vraiment le fun à manger. OK, ça là, c'est bon, c'est délicieux. C'est tellement bon. On en avait fait pour l'équipe il y a quelques semaines avec des petits biscuits au chocolat, des pizzas comme ça, mais chocolat. C'était délicieux. Ça a vraiment été un succès. En tout cas, tout le monde a aimé ça. Puis tu sais, il n'y a rien aussi qui vous empêche, tu sais, je sais pas, mais dès qu'ils sont congelés, on peut tremper la moitié dans le chocolat. Ah ouais! On peut mettre des petits grains de chocolat ou de. Tu sais, la petite tartinade à la semaine, là. On peut dans l'intérieur. Donc, avec la crème glacée. C'est vraiment infini, là. Tu sais, ça, c'est vraiment une recette. Un papier beurre. Ouais, mais je vais juste manger pour les j'anime un peu. Ouais, c'est ça. Ben oui, non, mais fait, c'est concluant. C'est le goût est vraiment le fun parce que tu sais, mélange vanille. En tout cas, là, c'est on vraiment la crème glacée à la vanille, mais vanille espresso, c'est vraiment le fun. Le café, c'est juste une petite touche. Exact, c'est pas trop. Non, non. Fait qu'après ça, on met ça, c'est ça, au congélateur, on attend un peu que ça fiche. La recette est sur le blog déjà, mais ça se peut que vous ne l'ayez pas vu passer. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer dans les derniers jours sur les réseaux sociaux de Baxal, allez sur le blog. Tout est là, puis c'est vous avez tous les détails. Ouais, absolument. Moi, je suis vraiment contente, ça va nous faire des beaux snacks cet après-midi. Ouais, Claire, on a vu ça, les snacks, fait que elle est prête pour... Ouais, je suis toujours en train de manger. Je vous rappelle, si vous êtes avec nous depuis tout à l'heure, vous pouvez toujours gagner un sac de café de vacances en écrivant un petit commentaire. Et puis Étienne qui est avec nous en ce moment, il va piger 3 personnes gagnantes. Donc, vous aurez la chance de goûter à ça. Puis nous, on va manger ça, mais ouais, on a quelque chose d'autre. Puis pendant que Clem est en train de terminer de faire les sandwichs à la crème glacée, que je vais d'ailleurs mettre dans le congélo, peut-être une heure peut-être pour qu'il soit plus... Ouais, juste le temps que ça fige un peu, là, parce que c'est là... C'est tellement bon. Mais là, il y a la technique. Tu sais, moi, j'ai fait. Oui, il ne faut pas trop peser parce qu'Alex a brisé son biscuit à l'instant. Oui, mais c'est ça, chacun ses forces. Je répète, je fais du barbecue. Exactement. Fait que je vais juste mettre ça au congélo. Parfait. Voilà. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, là, ça va être en mode un peu breuvage. On va y aller avec l'aérocano. Ça, on vous l'a déjà montré en Reels, je crois, en TikTok. Étienne s'est amusé à faire plusieurs vidéos là-dessus. Puis on a un article de blog aussi sur l'aérocano. Donc, vous pouvez aller vraiment vous fier à la recette sur l'article de blog. Mais là, on va le twister aujourd'hui parce que, je sais pas, les vacances, c'est le fun, un petit côté sucré, chocolat et tout. Regarde, moi, la tartinade à l'ostinat. C'est d'accord, ça se mange à la cuillère, littéralement, là. C'est tellement bon. C'est ça. Donc, on va y aller avec un aérocano noisette chocolat. Mm, mm. C'est un café froid. Mm. Donc, j'ai mis environ, je dirais, comme une cuillère à soupe de tartinade à l'eau simone, mais allez-y vraiment, tu sais, si vous voulez plus chocolaté ou plus sucré ou peu importe, allez-y avec ce que vous préférez, mais je partirai avec une cuillère à soupe. Okay. Là, on va couler un double espresso court par-dessus pour faire fondre, dans le fond, un petit peu la tartinade pour que ça se mélange bien ensemble. Donc, j'ai préparé d'avance. Ah, ben là, c'était comme prêt. C'était arrangé avec le gars des vues. Là, t'as serré la crème glacée. J'ai serré la crème glacée, Alex, mais je vais la ressortir très bientôt. Mais te reste ton demi-sandwich, là. Et moi, j'aimerais mentionner une chose, là. À chaque fois qu'on fait un épisode du Café Chaud,
Maud, elle fait toujours ce qu'on appelle un pacing, OK? Un pacing, c'est un peu la direction de l'épisode, les choses qu'il ne faut pas oublier. C'est très important. Puis, honnêtement, c'est les meilleurs pacing ever. Tout est dans le pacing. Tout est dans le pacing. Impossible d'oublier quoi que ce soit. Si on oublie quelque chose, hein, puis là, c'est dans ce temps-là que je fais des yeux à Alex. Oui, puis là, c'est comme le pacing. Donc, puis le pacing. Fait que j'ai juste coulé mon espresso double sur le dessus de ma cuillère de tartinade. De... Mélange. Ouais, je mélange juste pour pas que ça fasse de grumeaux, puis que ce soit homogène un petit peu. La chaleur, faites juste vous assurer dans le fond de pas extraire votre espresso longtemps d'avance, puis qu'il soit chaud justement pour que ça se mélange bien. Après ça, pour l'aérocano, dans le fond, on a besoin d'un pichet avec un peu de glace dans votre pichet. Donc moi, j'ai mis des glaçons déjà dedans. Puis vous allez rajouter un 120 ml d'eau froide, de préférence, ou température pièce comme vous voulez, au glaçon. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couler notre mélange d'espresso et de tartinade dans les pichets. Puis là, la magie va opérer au moment où, pardon, Alex va aller mixer ça. Alors vous allez en fait mélanger tout ça avec la bulle de vapeur de votre machine d'espresso. Puis c'est ça qui va faire en fait la texture de l'aérocano. Tu vas rendre le café comme ben vraiment onctueux. Ouais, onctueux. C'est vraiment, ça donne presque l'impression de boire un latte, mais sans lait. Donc, c'est vraiment ouais, le... Oui, sans lait, mais la texture est vraiment super. Pourquoi ça devient trop chaud, par exemple, Alex? J'ai mouse. Ah, il sait qu'est-ce qu'il fait. Je m'y connais un peu. Ah, il se connaît un peu en café, il fait dire. OK. Dans un grand verre. C'est impressionnant de oui, voir la texture. Ben là, je sais pas, c'est ça. On va essayer de vous montrer ça, mais... C'est vraiment comme une texture, quasiment comme du lait, mais c'est vraiment juste du café, de l'eau et des glaçons. Et dans un grand verre, vous pouvez juste verser quelques glaçons au préalable, puis venir verser l'aérocano dessus. Mais c'est vraiment là, comme vous avez une texture. C'est fou, hein? Ouais. Incroyable. Il n'y a pas de lait là-dedans, là? Aucun lait. Wow. Aucun lait, puis vous allez avoir là, comme les... La gradation de couleurs qui... C'est donc bien cool. Fait que ça, c'est l'aérocano, mais version chocolatée, noisette, avec la tartinade à mousse. C'est tellement bon. C'est bon, hein? Mais c'est exactement c'est la même texture bon. Que la mousse de lait froide. Exactement, pour le cold foam. C'est léger. C'est ça. Puis... T'as le goût du café, puis honnêtement, t'as mis une cuillère à soupe de chocolat? Ouais, on peut en mettre trop. Plus. Ouais, tu peux en mettre plus. Ça dépend. Le... Ouais, c'est ça, si tu veux pas trop sucre. C'est ça, moi j'aime ça pas trop chocolaté, ça c'est comme le juste milieu, ça. Mettons, là. Fait que, ah bon, Clémence qui va. Ben là, fallait bien goûter. Faut que tu goûtes, oui. Ouais. Fait que, mais la recette de l'aérocano, comme je vous disais, est déjà sur le blog. Donc, vous avez juste à vous ajouter là, une cuillère de tartinade à l'eau Simone, puis le tour est joué. Merci. Beaucoup. Tellement cool. Merci à tout le monde, encore une fois, d'être parmi les nôtres pour le café chaud. Et n'oubliez pas, il vous reste encore quelques minutes pour écrire un commentaire puis gagner possiblement un des 3 sacs qu'on va faire tirer des vacances. Les vacances, on vous le rappelle, c'est là pour la période de l'été. Donc, faites vite. Je pense que j'ai quasiment le goût de dire, OK? Qu'on va vous donner un pot de tartinade à l'eau-simone avec chaque sac de café. Comme ça, vous allez pouvoir faire l'aérocano à la maison. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense. C'est nice, hein? Non, on va faire ça. OK. Fait qu'en plus de gagner un sac, vous gagnez un pot de tartinade. Exactement. Là. Puis on aime vraiment ça vous gâter. Puis encore une fois, merci d'être des nôtres. Vraiment. Fait que c'est en vente cet été. Faites la collection. Et après ça, ça sera l'automne. Et pour l'automne, vous le savez, il y a un autre. Ouais. Le mélange qui s'en vient là. Je pense qu'on vient avec comme une nouvelle mouture café chaud. Oui. En tout cas, faut pas prendre le scoop. Non, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent cet automne. Merci tout le monde d'être des nôtres au rendez-vous. C'est vraiment très apprécié. Merci de participer activement. N'oubliez pas de venir nous voir. On est au 111 Louvain Ouest. Donc, venez prendre un café. Nous, on est sur la mezzanine, sur le café. Ouais. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On est souvent là. Ouais. Puis, c'est très, très, très apprécié. Ne pas oublier aussi de commenter les demandes spéciales pour Maud, pour qu'elle peigne une toile. Oui!
Oui, n'oubliez pas de... Merci, Clémence. Un grand plaisir. Oui, il faut que ça reste, par contre, dans le registre des arbres et des arbustes, OK? Puis on va faire tirer la toile avec un sac de café. Ouais. Donc... C'est épouvantable. Mais sérieux, ne mettez pas les animaux dans... Pas d'animaux. Ça va ressembler à... Il y a une petite toile, là, avant avoir l'été pour la faire. Fait que... Ouais, fait que participez en grand nombre pour gagner la toile publique de Vaud. Sur ce, encore une fois, merci tout le monde d'avoir été... C'est vraiment fun de faire des lives avec eux. On se revoit pour un prochain Café Chaud. Salut tout le monde. Bye.